la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes du grappillé, la pesanteur. Yo-yo les dragons. C'est à son tour de dire yo-yo et dragon. J'aime pas le faire, franchement c'est pas mon ouais, truc. Ouais, il aime pas le faire. Vas-y, fais ton truc, c'est quoi ton truc? Je sais même plus ce que je dis moi. Salut dragon. Non, non, tu fais pas salut dragon, tu es. Salut dragon. Salut dragon. C'était une bonne journée. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est encore à deux. Ah, on a l'occasion d'être à deux. On trouve quelqu'un pour nous filmer. Voilà, merci donc, à toi, Tite d'ailleurs. Voilà, c'est à Tite, notre filmmaker en ce moment quand on est à deux. Donc. C'est plus pratique. Et puis pour vous, comme ça, vous nous voyez ensemble, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'était pas toujours ensemble. Mais bon, on fait comme on peut. Ouais, en plus, vous avez des demandes comme quoi vous voulez plus d'entraînement où on est à deux. Ouais, parce ouais. que c'est vrai que tout au début de la chaîne, on en avait beaucoup à l'époque. On faisait que ça au début. Ouais, c'est ça. Mais là, on se filmait, là, on a décidé maintenant qu'il y ait une personne qui nous filme pendant qu'on s'entraîne. Comme ça, on est vraiment focus dans l'entraînement. C'est plus pratique. Ouais. Au lieu de se filmer chacun nos tours, etc. C'est donc, c'est pas c'est un évident. Peu galère. Et maintenant, vu qu'on a les possibilités qu'il y ait une personne qui nous filme. Et vous avez vu, de toute façon, le changement au niveau des montages, de la qualité de musique, etc., de son et tout. Donc, on essaie de s'améliorer là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos passent un cap. Enfin, je pense qu'on a passé un petit cap à ce niveau-là. Donc, bref, aujourd'hui, c'est séance body. Parce que la dernière fois, on avait fait circuit conditioning, ouais, athlétique, on va dire, etc. Couvert de graisse. Donc, aujourd'hui, ça va être body. Ça n'est pas parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on a laissé le body de côté. On fait non, tout. Non. Donc en body, on est toujours là. Ok. Donc cette séance, c'est de quoi? Pec dos, tout simplement. Pec dos. Voilà, c'est une séance franchement que je fais pas tout le temps, mais quand je la fais, j'ai des bonnes sensations. J'ai l'impression d'être congestionné de partout. Je sais pas si c'est ton c'est cas. C'est ça, au lieu de faire du split, là, on va travailler des muscles, donc pec dos. Ouais, en plus, c'est l'inverse. C'est quand même du gros muscle. C'est des séances que Arnold faisait beaucoup, ça, pec dos. Ah, il faisait ça lui. Ouais, il faisait ça, il faisait ça. Il faisait ouais, pas que ça. Pas ouais, il faisait pas que ça, mais je sais qu'il y avait une. Il faisait souvent pec dos, c'était son kiff. Enfin, à vérifier, mais c'est ce que j'avais lu quelque part. Ouais, et puis voilà, si un jour vous n'avez pas le temps de faire une séance pec et une autre séance dos, faites les deux ensemble. Voilà, ça peut vous donner une idée d'entraînement. Voilà, et du coup, nous, on va vous montrer comment on fait une séance pec dos. Tout simplement. Ah, il n'y a plus de musique là. Ouais. Tant mieux. Donc, sur ce, on va s'échauffer. On vous met quelques plans comme d'hab. Et c'est parti. Bon, les dragons, c'est parti. On va commencer par les pecs, par deux exercices de pecs et après deux exercices de dos. Donc là, le premier exercice de pecs. Haltéra plat. Haltéra plat, chose que tu n'as pas fait depuis combien de temps, tu m'as dit? Honnêtement, ça doit faire au moins allez, peut-être un an sûr déjà, voire peut-être deux. Je fais toujours en incliné, moi, toujours. Donc là, on a essayé de le faire à plat, ok? Donc là, on va vraiment prendre notre temps de faire au moins 3, voire 4 séries de chauffe en montant en charge. Et après, on va faire nos séries effectives, ok? Parti. Bon, là, alors, je pense qu'on est déjà monté en une bonne charge. Donc, on va bosser en 4 séries, on va dire, entre 8 et 10. 8 et 10. 8 et 10 quand même, on va pousser quand même assez lourd. Lourd par rapport à ce qu'on peut. Hein. Donc, Ludio, il fait quand même attention par rapport à son dos, etc. C'est une série de 8, c'est pour ça, je crois. Mais on va se baser sur des séries de 8, 10. 10 maximum, 8 minimum. Ok? Et le temps de récup est assez court, on va prendre 1 minute, 1 minute 30. Vas-y, rebois, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure là, je vous le dis, hein, en off, on se prend la tête avec Atit vite fait. Là, il m'a démarré. Votez pour Atit ou il m'a démarré. Je vais vous montrer comment on prend des haltères de 50. Voilà, c'est ça qu'on veut. J'ai le poids de 2 feet girl sur chaque main. We'll be right back.
Bon, là, on va attaquer notre dernière la big show, la 4e série. Donc, on essaye de mettre lourd, quand même, et un temps de récup très court. Donc, normalement, si genre, on mettrait 2 minutes 30, je pense que ça serait plus facile à cette charge. Mais là, franchement, le temps de récup, c'est 1 minute 30, pas plus, quoi. Franchement, on perd pas de temps et on y va. Et vous avez remarqué, Joe, par rapport à moi, il est beaucoup plus explosif dans ses poussées. Ouais. Il a trop l'habitude de travailler comme ça. De toute façon, ça lui va bien. Il progresse quand même au niveau body et puis même pour son sport. Ouais, je contrôle la descente, mais la poussée, je la fais explosive. Ouais, à chaque fois, les poussées, il fait explosif, il n'y arrive pas. Ouais, même quand on faisait des entraînements, des fois avec Miguel, etc., j'ai l'impression de se faire chier. Mais moi, je suis un peu moins explosif que lui. Mais j'essaie de quand même contrôler un minimum, mais même vraiment tout le temps faire le mouvement très lentement, etc. Normalement, ça souffle, faut envoyer quoi. Système nerveux, il a besoin d'envoyer. C'est ça. Allez, je te mets un petit coup en première. Allez. 1, 2, 4, 5, encore. 6. Allez, allez, allez. Avec moi. Allez, allez. 7, encore, 8, encore une au moins, 9, tu montes. Everyone on the roster, I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ doesn't have the Bon, on vous explique. Deuxième exercice. On est sur une machine à pec inclinée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a déjà fait des séries de chauffe. Arrivé à la charge initiale où on va travailler, on va faire des drop sets. Donc, drop set comme vous savez, donc on va monter sur une charge assez lourde. On en fait, je sais pas, genre 3-4 reps. On enlève du poids, on enlève de la charge. Pareil, 4 à 8 reps. On décharge une troisième fois, du moins une deuxième fois qu'on décharge. Et on fait encore une répétition, genre 10 reps, un truc comme ça, d'accord? C'est ça. Entre guillemets, c'est 3 max reps, quoi, plus ou moins. C'est ça, selon 3 max reps. Selon la charge qu'on a mis. Et on va faire 3 séries comme ça. Donc c'est ça les drop sets. Donc en fait, on va pas faire 3 séries normales, on va pas faire 3 séries de 8 ou 3 séries de 10, on va faire 3 drop sets, tout simplement. Ok. Donc là, dès qu'on trouve notre charge, c'est parti. Dernière. 9 reps. Là, c'était la première série. Donc, j'ai pu faire 10 reps à la première charge. Je pense qu'on va augmenter un petit peu à la deuxième série de drop set. On va voir.
beat. Trop dur la dernière. On a eu du mal à assumer la dernière, là. Elle était vraiment dur. Ça m'a coupé, j'ai plus l'habitude. Ouais, de toute façon, ça doit se voir. On est déjà congestionné au max au niveau des pecs. Donc là, on a fait nos deux exercices de pecs. On va attaquer les deux exercices de dos. À toutes. Bon les dragons, c'est parti, deuxième exercice. Tirage vertical sur machine. Donc là, c'est simple, pareil. On monte en charge pour faire notre charge de travail. Et on va faire 4 séries, comme sur le développé couché aux haltères. 4 séries de 8 à 10 répétitions. Temps de récup, 1 minute, 1 minute 30. Ok. Beat. Je sais pas si ça vous arrive, des fois vous êtes en train de faire votre série, tellement vous êtes énervé, dès que vous lâchez, dès que vous finissez la série, vous êtes encore plus excité. Ça lui arrive des fois ça. Et pendant l'entraînement, normalement on doit être en train de souffrir, il a un deuxième coup de nerf, je sais pas, il s'énerve et ça lui donne le cardio. Hein? Bonjour. Bon les gars, prochain exercice, drop set, comme pour le push press, ouais c'est ça, push press, c'est incliné. Ouais, c'est ça, incliné. Là, ça va être du rowing, donc pareil, on met des plaques de 20, 3 séries à chaque fois, on dégraisse c'est à ça. Chaque série. Okay. C'est ça, là on a fait une série de chauffe, et on n'en a pas fait trop. Deux, parce qu'on a déjà chauffé avec le premier exercice. Voilà. Donc là, on a trouvé notre charge de travail, on va tester la première série de drop set, voir si on augmente à la deuxième série. Donc voilà, c'est comme pour les pecs, comme il a dit Joe. Temps de récup, pareil, 1 minute 30 maximum. Allez, allez go. C'est go. On reprend, on a oublié de dire quelque chose. C'est 1 minute ou 1 minute 30 de récup max. Et c'est ça qui est important. D'accord. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va te donner la victoire. YS Beat.
Bon, c'est parti pour cinquième exercice. Ah oui, cinquième, qu'est-ce que j'ai dit ? Cinquième exercice. Donc là, cinquième. Ce qu'on va faire, c'est que pour les... Pour finir. Bon, après, il y aura encore un autre, hein, pour finir. Mais là, on va faire un superset. Ouais, deux biceps. Ouais, c'est pareil. Biceps, c'est quand c'est un muscle différent. Superset, c'est quand c'est le même muscle. Mais nous, même quand c'est un muscle différent, on utilise superset en général. Deux exercices en un, quoi. Voilà, donc là, on va faire de l'écarté aux haltères pour les pecs, en incliné. Donc, c'est pas du écarté-écarté, c'est du semi. C'est ça, semi-écarté. En fait, semi, c'est-à-dire on pousse en même temps. C'est pas vraiment de l'écarté, on va être à moitié là. Comme ça, on écarte, on pousse. De toute façon, vous allez voir en image. Enchaîné avec du rowing aux haltères. Sur le banc incliné, allongé sur le banc. Et là, on est ici, quand on va ramener vers les dorsaux. Et on finit en supination. En supination. Pronation, supination. Et ce qui est bien, en fait, c'est quand vous faites du rowing en supination, vous allez taper un peu plus le bas des dorsaux ici. Vous allez bien ressortir le bas des dorsaux. OK ? Par rapport à si vous avez une prise neutre. Allez, c'est parti, on vous montre en image. Bon, là, les charges,
n'était pas super lourd, on a fait 12-12. C'était très bien. Très bien, ouais. On enchaîne, on n'a pas pris de temps de récup comme sur les autres exercices. Donc là, on va enchaîner encore avec un autre bicep, super set, pour le dos et les pecs. Et ce sera fini. On se retrouve au prochain exercice. Bon, c'est parti pour le dernier exercice. Traction sur les anneaux. Pronation, on revient en supination. Donc après, comme vous voulez, quoi, vous voilà. Adaptez aussi. Bras tendus, jambes tendues, on essaie de garder la stabilité avec les anneaux, c'est dur de ne pas se balancer et tout. Donc on va faire 8 à 10 reps, voire plus, ça dépend. Et ici, on va faire 10 reps. Mais 10 reps, c'est-à-dire 1, 2, 3. De toute façon, vous allez voir le mouvement qu'on va faire au niveau des pompes. Ok, sur le, avec okay, la medicine ball. La medicine ball. Ouais, je sais même pas, suit ball, j'appelle ouais, ça. Suit ball, medicine ball, balls, balls. La balle, big quoi. Balls. La balle ronde. Ok. Allez, parti. Go. Ouais, le dragon, ça y est, la séance est terminée. On a bien chié là. Ouais, le dernier exercice, les deux derniers exercices, enfin ouais. Les deux derniers supersets, bicets, on les a fait sans temps de récup, l'un derrière l'autre. Donc, du coup, c'est bien de finir comme ça, faut accélérer, comme on dit. Ouais, surtout le dernier exercice, on a quand même rajouté entre guillemets un mouvement fonctionnel sur les pompes et tout. C'est ça, ouais. Et on a changé avec les anneaux, les tractions, là, c'était vraiment dur avec les anneaux, la stabilité et tout. Puis même en fin de séance, vu qu'on a fait du body avant. Voilà. Donc, comme d'hab, j'espère que la séance vous a plu. Hein, là, on a fait une séance un peu plus body. Donc, n'hésitez pas à checker, à la faire. On vous met le nombre de reps, etc. De toute façon, on vous l'a dit pendant la vidéo. OK. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Comme d'hab, vous activez la cloche. Et voilà, taguez-nous sur notre Instagram. Ouais, voilà, bravo. N'hésitez pas à mettre des stories, voilà, comme ça. Si. On vous relaiera généralement, on relie c'est à peu près tout le monde. Pour qu'on voit aussi un petit peu ceux qui nous suivent et qui regardent nos vidéos. Donc, c'est ça. Ouais. N'hésitez pas à nous marquer sur vos réseaux. Sur les réseaux, Instagram et tout. Là, on vous laisse l'Insta Double Dragon Workout. Ouais. Donc, n'oubliez pas l'application. Hein. Push. Si vous avez des questions, demandez-nous, il n'y a pas pareil, de soucis. Pareil. Pour l'application Push, si vous avez téléchargé l'application, essayé un programme, taguez-nous sur Double Dragon. Ouais, si vous avez fait le training, dites-nous ce que vous avez pensé de ce training. Ouais. C'était dur ou ça va. C'est ou... ça. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est prêt à entendre toute critique. C'est ça. Mais dans le respect. Je vous conseille de ne pas faire qu'un training. Voilà, suivez le programme en entier. Ouais, voilà. Faites-le en entier et après dites. Parce que si vous en faites un et vous dites, ouais, il est pourri, c'est ça. C'est une semaine, hein, c'est pas un jour.
Voilà, quand on commence quelque chose, il faut le finir pour donner son avis. Okay. C'est comme une séance, on teste, apprendre son avis négatif ou positif. Donc là, les programmes ils durent 8 semaines. Ouais. Donc faites-le à fond. Faites-le à fond, vous pouvez mettre votre poids, votre évolution, les photos, etc. Donc, et n'oubliez pas qu'il n'y aura pas que ça, il y en a d'autres qui vont arriver. Là. Voilà, y a, pour ceux qui kiffent les séances body, ça arrive. Pour l'instant, on a mis un peu de poids de corps, etc. Voilà, parce que dans l'application, la plupart, c'est quand même des body, les mecs. Donc nous, on a fait un peu notre sauce. C'est ça. Et après, il y aura des séances body aussi. À notre sauce, bien sûr. Comme, celle qu'on a fait là, c'est à notre sauce. Ok, c'est notre manière, c'est notre façon de s'entraîner quand on fait du body, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah bah après, comme d'habitude, hein, les gars, QNT, vous avez le code Dragon. Moins 20%. Ok. Donc, en général, il y en a qui ne veulent pas la tester parce qu'ils ont peur, parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, super connue, parce qu'il n'y a pas de gros influenceurs qui représentent cette marque-là. Ouais, mais ceux qui testent la Métapure chocolat beige, là, ouais. Ils ont plus envie d'aller ailleurs, je vous le dis, je fais pas ça pour parce que je suis sponsorisé chez QNT, mais la Métapure, c'est une source sûre. C'est ce que je prends depuis qu'on est sponsorisé par eux, ça ne me saoule pas le goût. C'est ça. Goût, chocolat belge, source sûre. Ok. Et Riderwear. Hein. Et aussi Riderwear. Donc on a eu des retours. Ceux qui commentent chez Riderwear, c'est important. N'allez pas sur le site UK, allez sur le site américain. Même si c'est pas logique. Voilà, vous allez sur le site américain. Après, parce que sinon vous avez des risques de douane, c'est okay. Vous avez des frais de douane des fois, vu que ça vient d'Australie. Donc ça, vous avez une chance sur deux, ok. Des fois quand vous avez des frais de douane, ça va s'élever entre 20 et 30 euros maxi, ok, selon ce que vous achetez. Si vous faites une petite commande d'un t-shirt, vous avez pour, je sais pas, 30-40 euros, c'est ça. Le double, c'est un peu dommage. Donc prenez pas UK, prenez US, parce qu'on est des carrés, je rigole. Donc voilà. Quoi d'autre à rajouter Merci de nous suivre. Voilà. De nous donner la force. Merci de nous donner la force. On fait plus d'entraînement tous les deux. C'est ce qu'on voulait faire depuis longtemps, mais c'était pas toujours simple avec les fermetures de salles, choses comme ça. Là, on a la chance que la Tite puisse nous filmer. C'est ça. Et puis merci à tous ceux qui nous font les prods. C'est devenu notre filmmaker intérimaire. C'est ça. Ouais. Merci aussi à Chelios, hein, à tous ceux qui nous aident sur le quotidien. Il y a des gens qui nous proposent aussi. J'ai eu deux personnes qui nous ont proposé pour nous faire nos montages vidéo, etc. Ouais. On n'a pas le budget pour vous payer. C'est ça. Donc on va pas vous exploiter, ok. Donc si vous voulez faire une collab, à voir, mais nous en général on fait tout nous-mêmes. Le montage vidéo, l'équipement audiovisuel et tout, on se prépare nous-mêmes et les montages on les fait nous-mêmes. Des fois c'est moi qui fais les montages, des fois c'est Joe, ok, on tourne en, tous les deux. Donc c'est pour ça que des fois c'est pas perfect, mais on essaie de les faire avec nous-mêmes. Le temps qu'on a et les moyens. C'est ça, c'est comme là pour les plans, c'est Hachid qui les fait. Donc c'est à la base, c'est un rappeur, c'est un basketteur, voilà, c'est pas un filmmaker, mais il apprend au fur et à mesure, donc heureusement qu'il est là pour qu'on puisse s'entraîner tous les deux. Et on fait notre maximum pour avoir des belles vidéos, quoi. On n'a pas. Voilà, on a déjà la chance d'avoir quelqu'un qui nous filme. C'est ça. On n'a pas les moyens de prendre un filmmaker, et de payer. Qu'on les suive, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et nous, le jour où on prendra un filmmaker, on va vous payer. On sait que c'est du gros travail. C'est normal. Filmer, prendre le temps de filmer, après faire prendre les rushs, les poser sur. Le montage, on va travailler quoi, le final cut, tout ça en post-prod, c'est galère. Ouais. Nous, ça nous prend beaucoup de temps, et surtout quand on veut faire des belles séquences et tout, des bons montages, ça prend du temps. Même trouver des musiques pour les monétiser. Nous, on avait la chance avant d'avoir Yas qui nous a rendu beaucoup de services à nous filmer. C'est ça. Donc là, merci à toi, mec, si tu regardes la vidéo. Voilà, lui, il a pas trop de temps et tout, donc là, il y a Etit qui a du temps, donc voilà, il nous aide et tout, c'est cool. Donc voilà, hein. Donc on fait de notre mieux, mais on fait tout nous-mêmes. Voilà. On ne fait pas les muscles, on ne veut pas faire les. C'est ça. Et si on engage quelqu'un, on le paye. On sait que c'est normal. On sait que c'est un tarif. On va pas les gratter ou quoi que ce soit. Sauf si la personne dit je vous fais le montage ou je veux que vous me fassiez de la pub en même temps, on s'arrange entre nous. Mais nous on sait que tout travail mérite salaire, tout simplement. Voilà. C'est tout. Donc sur ce, en vous laissant, on a dit assez. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Hashtag NoFakeJustTraining sur Instagram, n'oubliez pas, on va le mettre chaque fois. Hashtag NoFakeJustTraining. Ok. C'est NoFakeJustTraining depuis 2013. Ça ne changera pas NoFakeJustTraining. Ok. Donc on se répète. En vous laissant, on vous dit juste NoFakeJustTraining.